Que Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, nous accorde la grâce, le pardon et la paix pour nous, pour que nous en vivions dans la vérité et la vie. Amen. Une année de ta vie à la vie.
entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Thank you.
Que
Yehova, mia fufumine, mia ula tsuminye, iye kwenye mia mela. Wasi mto unikataminye, Yehova, agadu kikuwa pa, iye agadu kumia mtu mfondi yo. Thank you.
Amen. Garde encore à ton lien. Fais ta prière. Garde encore à ton lien si à mon vie. Dépend de ton amour. Aide-moi à faire appel aussi à ta dernière mère. Pour que tu annules avec elle et tu m'enlèves les liens. Assis contre le monde, il y a un peu ton amour. Ce dimanche 25 juin 2023, dimanche, troisième dimanche de la Trinité, cinquième dimanche après Pentecôte, a pour thème dans le dictionnaire de l'humanité, tu as la valeur aux yeux du Seigneur, fais ça. Thank you.
Bien-aimés, nous ne sommes que des ouvriers dans le champ du Seigneur. Nous ne sommes pas indispensables. Personne ne peut se croire indispensable dans l'œuvre de Dieu. Car le Seigneur lui-même sait pourvoir au bon moment. Quand nous n'en pouvons plus ou nous ne voulons pas, avec les mêmes comme on va voir, dormir. Et c'est une expérience qu'on vient de faire au livre de la grâce de Dieu. Après nous, on va aller le voir à l'heure où on a tout Dieu. À mon problème, on va reconnaître dans mon Seigneur, on va te laisser parce que moi je ne suis pas indispensable, je suis un mortel comme tout le temps. Dans les rapides, on va disparaître de nous. Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. La personne de Dieu est ma ouverte, ma ouverte. Et au Yamel, il a raciné l'homme. Nul n'est indispensable. Si on se croit indispensable, le Seigneur nous mettra. Et il y a notre galant problème. C'est l'expérience que j'ai eu à faire moi-même. Mais les témoins, c'est pour ça que pendant 10 mois de ma vie, 11 mois de ma vie, les Kenyans, même dans les tombes à la société. Dans le cadre d'une formation qu'il a commencé depuis
l'année dernière avec le soutien de l'UNICEF et de la Fédération protestante de France dans le cadre des homologies des établissements sanitaires et médico-sociaux aussi dans le cadre de l'homologie sur tout. Donc il vient de terminer son diplôme universitaire à l'Université de Strasbourg et d'Arbanne, et on va au fond, au corps en fond, donc à Tamon, et de l'Ouvert, de la fin. Bon, il y avait bien le gouvernement, il y a un gouvernement qui avait bien sûr tout d'un cas, un an, tout le monde, et il y avait tout, un ami, tout y a pas dit, et non, mais il y a un
Thank you.
pas me permet de diminuer. Ils aident pour leur père, mais pas me permet de diminuer. Alors, on va connaître pour leur père, mais pas me permet de diminuer. Ah, mais si au moins, ils vont la ramener pour leur père, on va me diminuer. Et pour y voir, frère, à mon récit, elle n'est pas bénie. Elle a prétendu l'année, si vous prenez le blanc à ton compte aux hommes. Ils sont là, là, et on peut là, tombe à ben, la fin de ma main. Veuillez nous tirer au bout. À même pour le bien. Espérons que le Michel, c'est 57 ans. C'est un peu plus sinon, si c'est pas un peu mon état. Et pour le moment, on va faire la même chose. Mon père moi aussi, dans le monde, il n'y a pas de temps. Eh bien, ils ont, il n'y a pas de 4 ans, plus même pour 24 ans, et être assis dans le thème. Et puis, on est là, à quoi, 4 ans, il n'y a pas de temps, on peut le commencer à se venir tout de même. Après, il y a un temps, il y a un temps, Jésus-Christ, le temps, on peut le temps, on a fait tout, il y a un temps, on peut le temps, aujourd'hui, 13 ans que c'est Néel et Kélia sont nés. Là, il y a deux mots. Mais quand on va vous faire le voir, il y a eu un autre. On le voit à la fin de conduite pendant 13 ans, c'est une étape. Ce n'est pas des années qu'on marque 13 ans, mais c'est que les parents sont en vie comme que c'est. La mère, c'est une grâce de conduire ses enfants jusqu'à 13 ans et d'espérer plus qu'eux. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce et nous prions de les accompagner tout au long de leur vie. Que l'Esprit Saint guide chacun de leurs parents, la famille pauvre. Il y a gagnant. Et nous sommes au pour même faire si la pour la dans la que la peine à thank you.
papa l'a appelé, il attend à ton bien, il plaît.
Thank you.
l'ICC, c'est à l'éveil. Je crois qu'on doit faire un peu. Il va dire,
Moi, je me donne un jour à vidéo, on a un conseil. Yeah.
valeur sur les affiches qu'on a reçues. Parce que c'est un peu plus. Le premier du livre de la Genèse, chapitre 21, verset 21. Le deuxième, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6, verset 1b à 11. Et le troisième, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, du verset 24 à 31. Lisons le livre de la Genèse, au chapitre 21, verset 8 à 21. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand destin. Sarah, virile, le fils qu'Agar l'Égyptienne avait entendu à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une goutte d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule et lui remit l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des plus arbustes et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arbre, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, et leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arbre. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Lisons Romains au chapitre 6, version verset 1b à 11. Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché?
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Lisons Matthieu au chapitre 10, du verset 24 à 32. Le disciple n'est plus que le maître, ni le serviteur plus que son serviteur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas de passereau pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je les confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle fille et sa belle mère. Et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Y a posición de la posición.
Et ce qu'on a, nous sommes là.
Migapoko, elle avait un an et demi, si bon chou et dit, si bon mène de dégué à fiable. Et y'a bon ben chou n'a des terrains là, si bon mène de n'yagé. Nous y blanc mène, n'a pas de victime là, y'a blé les dégué d'y et y'a nous si que c'est une idée de tombe là, mais de ne pas être contact. Et y'a Migapoko, Yeah.
ce pour Victor, Plonia, son poil, mon petit bobo, puis comme à moi, je vais me dire qu'il vivait. Et bien, il y a deux, et bien, il y a une seule pété. Comment il y a une pété? Et toi, il y a ce problème. Ma volée d'once, il y a des cas où on est, il y a fait une idée d'outil. Les beaux catamètres. Les wapi que Aïbari m'y a dit, les m'y a sorti Aïbari. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui 25 de juin, dernier dimanche de l'année, du mois. Et notre prédication va se baser sur Matthieu 10, 24 à 39. Tel que nous l'avons lu tout à l'heure. Nous avons tous connu des gens qui nous ont déçus. Et il paraît que Dieu ne semble pas mieux que ces gens-là. Beaucoup de personnes semblent être déçues par Dieu et se posent des questions sur l'existence même de Dieu. Surtout quand nous traversons les moments difficiles. Quand est-ce que Dieu va se manifester? Ils ont prié, mais parfois ça ne marche pas chez eux. Et là, nous posons la question, faut-il avoir alors confiance en Dieu? Faire confiance en quelqu'un, c'est se fier à cette personne. Et celui à qui nous donnons notre confiance, ou bien nous faisons confiance, nous promet en échange la sécurité et l'assurance. Quand nous passons une commande au restaurant, nous faisons confiance au respect des règles sanitaires du cuisinier. En retour, le restaurateur s'attend à ce que nous réglions notre compte avec lui. Quand nous franchissons la route, nous faisons confiance que les autres vont s'arrêter au feu rouge. Quand nous montons dans une voiture, nous faisons alors confiance aux ingénieurs et aux chauffeurs. La confiance n'est jamais neutre pour nous. De toutes les manières, elle implique que nous acceptions de dépendre de la bienveillance et de la fidélité des autres. Alors, peut-on faire confiance à Dieu? Avant de répondre à cette question, j'aimerais dire qu'il y a deux genres de personnes à qui nous ne pouvons pas faire confiance. Premièrement, ceux que nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas leur faire confiance. Deuxièmement, ceux qui n'en sont pas dignes. Je peux te connaître, mais je peux que tu ne sois pas digne de confiance. Alors, je ne pourrai pas avoir confiance en toi. Donc, pour faire confiance à quelqu'un, les deux conditions doivent être réunies. Connaître la personne et savoir si elle est digne. Est-ce que nous connaissons Jésus? Est-ce que nous pouvons faire confiance à Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, du verset 24 à 39 que nous avons lu tout à l'heure, que Jésus était en train d'envoyer ses disciples en mission, les prévenant des persécutions, des oppositions qu'ils auront à subir de la part de trois groupes de personnes. D'abord, il y a les autorités politiques, c'est-à-dire les dominateurs romains. Il y a les chefs religieux, les pharisiens, les docteurs de la loi. Et il y a les membres de leur famille. Trois groupes de personnes qui vont les persécuter. Il leur a donné de comprendre qu'ils
vont porter aussi leur croix, c'est-à-dire subir ce que lui, Jésus, est en train de subir. Les mêmes souffrances et même mourir comme martyr. Mais aussi les mêmes confiance que ces persécuteurs n'ont de force que sur leur corps, mais pas sur leur âme. Et pour leur donner assurance, il leur a répété trois fois au verset 26, au verset 28, au verset 31, ne les craignez point. Ne les craignez point. Ne craignez point. Et quand nous voyons dans Genèse 21, verset 17, Dieu a dit à Agar, ne crains point. C'est sur cette phrase que nous voulons bâtir notre message. Ne les craignez point. Et cette phrase tire notre attention sur la confiance que nous devons faire à Jésus qui nous dit de ne pas craindre qui que ce soit. Parce que, en fait, la peur fait partie de notre vieille nature dont Romains 6 avait fait objet. Et celui qui a peur n'a pas crucifié son corps avec Christ et donc n'est point affranchi. Est-ce que je continue toujours pas à avoir peur? La question se pose. Parce qu'au moment où nous sommes sauvés, notre corps s'identifie à celui du Christ. Nous étions en Christ quand il souffrait. Et donc notre corps devient inaccessible même au tueur. Parce que le chrétien ne porte plus son corps, mais il porte plutôt le corps du Christ. Le chrétien ne porte plus sa vie, il porte en lui la vie du Christ, qu'on appelle Zoé. Dans Jean 1, 12, il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes désormais nés de Dieu, nés de l'Esprit. Nous avons la vie, non de l'homme, mais la vie de Dieu en nous. Donc, les chrétiens, si nous voulons parler sur le plan biologique, ont des gènes de Dieu en eux. Et ça veut dire que nous sommes devenus des gens d'un autre royaume, qui est le royaume céleste, et donc le royaume terrestre ne peut plus influencer sur nous parce que nous avons pris une autre vie. C'est pourquoi Jésus dit, la vie que tu as en toi, que tu portes en toi, est tellement précieuse. Aucune situation ne peut la tuer. C'est pourquoi il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Personne ne peut te tuer. Même ton corps est inaccessible. On ne peut pas le toucher. Parce que c'est le corps du Christ que tu portes. Quelle que soit la situation que tu traverses, elle ne peut jamais tuer la vie de Christ qui est en toi. Jamais. Même la mort a peur de toi. A peur de la vie du Christ qui est en toi. Tu as la vie de Christ en toi, et Dieu te garantit la protection de cette vie. Parce qu'il dit, nous sommes plus précieux que les passereaux, les moineaux. Et pour rentrer plus dans les détails, il nous dit que nos cheveux sont comptés. Dans les textes originaux grecs, comptés là, ça veut dire que nos cheveux sont numérotés. Donc, le nombre de cheveux que nous avons sur la tête, le nombre de pores, c'est numéroté. Et quand un cheveu tombe, Dieu sait quel numéro est tombé. Juste pour nous assurer, nous rassurer que nous sommes si précieux pour lui. S'il parle de cheveux, il faut te voir. Est-ce que toi-même, tu n'es pas plus grand que ton cheveu? Mais il dit même, si un cheveu tombe, il sait quel numéro est tombé. Bien-aimé,
tu traverses une situation difficile à cause du Christ, Jésus te dit, ne crains ni la situation, ni les personnes, ni l'esprit, ni les pouvoirs, ni les puissances qui sont derrière cette situation. Regarde à Agar et son enfant, qui est au bord de la mort, à cause de la méchanceté de Sarah, qui dit à Abraham, renvoie cette bonne et son enfant. La Bible est claire. Matthieu me dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Agar et Sarah, nous connaissons bien leur histoire. Ils sont de la même maison, et elles sont de la même maison. Mais c'est de la même maison que provient la persécution pour que Agar soit renvoyé. Et même au moment de l'agonie de son enfant, Agar a fait ce que nous pouvons appeler une prière d'innocence. Et Dieu a dit, Agar, qu'est-ce qu'il y a? Ne crains rien. Ça veut dire, ne crains rien. Pourquoi? Dieu a agi dans la vie d'Agar parce que Agar portait une semence d'Abraham. Nous savons l'histoire d'Abraham, comment il est béni par Dieu. Agar portait une bénédiction d'Abraham et Dieu a obligation de prendre soin de cette bénédiction qui était Ismaël. Et Dieu a fait des promesses, je ferai de lui une grande nation. Quelquefois, chers précieux dans le Seigneur, nous nous persécutons aussi nous-mêmes. C'est-à-dire, notre maison ici aussi peut signifier notre pensée. Et la principale voie d'accès à la persécution que nous nous imposons nous-mêmes, c'est à partir de notre pensée, qui est notre maison. Quand nous lisons Luc 22, verset 3, on dit, quand le diable entra dans Judas, Judas perd tous ses sens et il décide de vendre Jésus à 30 pièces d'argent. Et le retour fut la pendaison de lui-même. Nous passons souvent certains moments dans la vie qui nous font craindre le mal pendant les périodes de maladie, de solitude, de chômage, que ce soit spirituel ou financier, quand nous semblons être abandonnés. Quand on est submergé par des problèmes, quand nous sommes tourmentés par les soucis, nous méditons le mal, nous nous maudissons quelquefois nous-mêmes. C'est comme Job le dit, Job 3, verset 5, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Notre intelligence, ou bien notre pensée est donc intérêt de combat que le diable tente de polluer pour nous vaincre. Nous ne pouvons pas fuir les défis de la vie, mais ce que nous pouvons faire, c'est de les résister. Et étant donné que notre homme intérieur est en union avec Christ, nous sortirons toujours vainqueurs. Si Dieu, que tu connais, est digne de confiance. Si Dieu a ouvert les yeux d'Agar pour qu'elle trouve ce but pour abreuver son enfant, à cause du fait que Agar portait une bénédiction d'Abraham, rassure-toi que toi, tu portes la vie du Christ. Et c'est à cause de cette vie que Christ te dit, ne crains rien. Personne ne te fera du mal. D'ailleurs, Dieu n'a pas besoin de toi au ciel, pour le moment. Parce que nous avons du travail à faire sur la terre. Si nous allons au séjour des morts, Dieu n'a pas besoin de nous là-bas. Il a besoin de nous ici. C'est pourquoi nous vivons. On entend les répétants, Jésus-Christ au même. Bien au grand père, Hafi a donné à mes mois. Nous, FPL, et pas à des siamés. Et il y a des liens à quoi belle, à mes années, à mes yeux.
mais voilà, donc des mois. Allez, non, non, mais et bien, mania, pas fille, n'a été donc des amérotis. Alors, amena, voyana, on a quoi dit assez. Mais vous l'avez, n'y est-vous ouvert, n'y est donc, n'y est pas, ou n'y est donc des la lanti, n'y est donc, mais. Il y a donc des améliorations, des rêves à outiller, à promis, à donc des pénuitons. Allez, à moto, ils se sont mis. Ouais, ben, nous ne pas outiller, elles sont tornées. Allez, ben, les Nanula, Valessi, Mateo, et Nella, mais, yes, nous sommes sur la route. Ayo, ton homme, what, si vous voulez, mais, what, de fou. Les améliorations passent. Et bien, quand on a amélioré les mailles, et bien, on a mis la gare, et 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 on a A moi, tu vois, on met le message pour donner au peuple du bord. Alors, on peut agresser, on peut outiller, on peut avancer, non? Et attends, alors, tu veux, tu mets ta fond là-haut. Et vous laissez quoi, c'est ton? Mets ta fond. Mets ta fond. Mets ta fond. Et quand il y avait, les deux bébés, à moi, il y avait plus de temps, ta fond est bien. Et tu avais, mais que là, Je me suis dit que 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 je me On met un ami en dit, tu prends un ouvrage dans nos mains, toi tu prends vos mains, on est un ami en dit, tu m'as ouvert, et tu m'as mal ouvert, et il y a les mains, Christ ouvert, et il y a les mains, ta mère est très mal, tu n'as rien que là. On met trois places, il faut que tu l'as dans la et vous voyez, Christ ouvre, tu l'as dit, on entend, il n'y a pas de temps, il s'ouvre,
Thank you.
Yes,
bon God. Après tout, après au bout du temps, la bien fait qu'on a mis à l'heure de l'eau. Et bien, les deux ont été gagnés pour la méthode de Romain. Après, on a bien fait qu'on a mis à l'heure de l'eau. Et on a eu un bon moment, mais je suis un bon moment. D'abord, on a eu un bon moment. Et on a eu un bon et il va prendre la boue. Il est blé, il est bien, il est bien assumé. Pour les deux, il va être très bien. Il n'y a pas de syndrome aussi. Il n'y a pas de syndrome, il n'y a pas de chienne. Arrête de se dire, il va voler. À moi, il va me dire, il va me dire, il va me dire, il va me dire, il on est dans la même semaine. Nous avons le droit de prendre. Amen. Il est clair. Les diables qui les diables, les alpha, l'oméga. Je connais. Là, il dit, mais Jésus Christ, il y a un peu de temps, il dit, moi, c'est la plus grande. Amen. J'ai mis là, nous prions, d'avoir de l'âme de convenance. La prière que le Seigneur Jésus-Christ même nous a enseigné à cet thème, nous la posons pour parce que ton ami, qui est toi qui dis?
faire accorder le temps pour le cas. Et moi, je suis pas trop mal, je suis sûr que je suis pas vraiment accorder le temps pour le cas. Thank you.